L'art est un acte de vie, parfois de survie. C'est tout le sens de l'exposition Medellín, du nom de la capitale de la région d'Antioquia en Colombie. Un voyage artistique et historique sur les 50 années de guerre qui ont frappé la société colombienne. Plus de 40 artistes, parmi lesquels Botero, témoignent ici de la vivacité de la scène artistique du pays. C'était aussi pour nous un acte aussi d'histoire tout simplement et d'histoire de l'art, de comprendre comment des artistes travaillent dans un tel conflit, comment aussi l'art résiste à tous ces conflits, mais comment aussi ils aident à construire la réconciliation, la mémoire, la résilience, mais aussi la reconnaissance de tout ce qui s'est passé. La réconciliation, comment la faire et comment en parler? Une partie de l'exposition est consacrée à l'après, à la paix, à l'image de cette œuvre vidéo. Cette vidéo, par exemple, est assez emblématique parce qu'elle montre cet homme en train de déposer ses vêtements de guerre et de redevenir quelqu'un d'autre. Cette exposition a été coécrite par les abattoirs et le musée de Medellín dans le cadre de l'année France-Colombie. Elle n'a jamais été présentée en Europe et est à voir aux abattoirs jusqu'au 21 janvier 2018.